sommes mis d'accord sur le fait que la marche du 7C aura lieu le lundi 21 octobre et que nous laissons la journée du 19 octobre pour la ville de Kinshasa dans le cadre de son opération qu'il montre. Mais pour le 7C, ailleurs que la ville de Kinshasa, la marche reste le 19 octobre. La marche du 7C aura lieu le lundi 21 octobre. Et ceci, en somme de la proposition qui nous a été initiée et que les choses justement puissent se faire correctement. Donc nous précisons, s'agissant de la ville de Kinshasa, la marche aura lieu le lundi 21 octobre. Mais s'agissant des autres villes du pays, la marche a lieu le samedi 19 octobre. Parce que c'est une journée évidemment meilleure, parce qu'il n'y a qu'une demi-journée et on ne perturbe pas trop la ville de Kinshasa. Compte tenu de cette situation particulière, ça sera donc le lundi 21. Le fait que l'Union Soviétique va aller dans l'opération qui chasse à beaucoup de côté le même jour, on s'est dit toujours poursuivre le but manquant. Il faut tout décaler, l'opération est en ligne à mars. Il y a des marches, les marches pacifiques, les marches de Bitouma, les marches de la zone vendue, les marches de la zone vendue. Il y a des marches pour la zone qui s'en va, mais en même temps, pour la zone qui s'en va, il y a corruption. Bisopé, il y a toujours ça là, qui s'en va, il y a un peu de cadre de la mentalité de la corruption, il y a un cadre de la mentalité de la corruption. Alors, l'opération, il y a un cadre pour laver la mentalité de la corruption de la ville de la Bisso. Même si le chef d'État y va s'intéresser à la présence, pour que ces gens aient tous ces manches, pour qu'ils ne comprennent pas que toujours changer de mentalité dans le secteur Nyonso. Yeah.
venez pour le compte du CFD, vous venez de rencontrer le gouverneur de la ville de Kinshasa à propos de la marche que vous avez projetée pour le 18 prochain. Les points de vérité, questions et cours de votre rencontre, quelle année était la conclusion? Bon, le CLC est venu voir le gouverneur de la ville. Je voudrais d'abord souligner que c'est un événement parce que jamais le CLC n'a eu à venir en réunion sur le gouverneur de la ville s'agissant du gouvernement. Nous ne l'avons jamais fait en 2018, jamais en 2017 et même pas en 1992. Donc je voudrais souligner l'événement et montrer combien nous apprécions le vent nouveau qui souffle dans le pays, le président Tshisekedi met en place et qui permet de bien vouloir informer tous vos auditeurs que nous venons de nous concerter avec le gouverneur et ses services. S'agissant de la ville de Kinshasa, la marche du CLC aura lieu le lundi 21 octobre. Et ceci pour faire en sorte que l'opération qui a été initiée et que quelque chose de suffisant puisse se faire correctement. Donc nous précisons, s'agissant de la ville de Kinshasa, la marche aura lieu le lundi 21 octobre. Mais s'agissant des autres villes du pays, la marche a lieu le samedi 19 octobre. Parce que c'est une journée évidemment meilleure, parce qu'il n'y a qu'une demi-journée et on ne perturbe pas trop la ville. Pour la ville de Kinshasa, compte tenu de cette situation particulière, ça sera donc le lundi 21. Voilà. Il est vrai que par la voie des ondes, le peuple quinois pourra prendre la nouvelle du report de la marche pour le lundi. Mais à votre niveau, quelles sont les initiatives que vous pensez mettre en place pour qu'il n'y ait pas confusion par rapport au lancement Kinshasa Bobito? Ben, les démarches que nous prenons, c'est d'abord celle-ci qui est la première, c'est de vous donner l'information tout de suite. Mais c'est aussi donner l'information à tous nos points focaux, parce que nous sommes là en pleine préparation, nous allons donner l'information comme quoi il y a un léger décalage au niveau du calendrier. C'est tout. Je voudrais vous poser la question en rapport avec Kinshasa Mopeto. Comment avez-vous apprécié l'initiative du gouverneur de la ville de Kinshasa? Mais nous apprécions, c'est une excellente initiative, mais nous avons insisté sur le fait que l'opération Kinshasa ne peut pas être un fait ponctuel. Ça doit être un processus. Ce n'est pas une activité inaugurale simplement. C'est une action qui doit s'étaler dans le temps, s'approfondir, se diversifier. Et puis aussi, il y a tous les efforts qui doivent être faits parce que je crois savoir que les gens peuvent faire de la propreté, mais il faut qu'ils sachent où exactement ils doivent pouvoir jeter ces détritus. Donc il me semble qu'il y a un problème de fond au niveau précisément du service des boueurs à mettre en place, à organiser pour que cela soit vrai, pas seulement pour quelques quartiers, mais que ça soit réel pour toute la ville. Quelle peut être votre implication en tant que CLC? Mais notre implication, c'est de soutenir l'opération, comme je le dis. Le CLC n'est pas une organisation. Tout ce que nous faisons de l'éducation, nous faisons de la pédagogie. Nous demandons à ce que tous ceux qui font confiance au CLC de considérer que c'est une belle opération à soutenir dans les conditions que je viens d'évoquer. Je vous remercie. Animala. Versailles Limon. Animala. Excellence, vous venez d'être en réunion avec les représentants du CLC ainsi que le gouvernement de la ville de Kinshasa et certains de ses conseillers. Il a été conclu que la rencontre, disons la marche pour la ville de Kinshasa est reportée au lundi. Quel peut être le message que vous pouvez adresser à la population chinoise à ce sujet? Je pense que la population qui a dit que nous avons tout sensibilisé, nous défendons la même cause.
Le CELSA bien lui, le CELSA a compris notre démarche. Le CELSA a compris aussi l'importance de cette opération que nous sommes en train de lancer ce samedi. C'est une opération qui touche aussi toute la jeunesse. C'est un modèle, c'est l'exemple que nous faisons dans la bonne entreprise de venir. Et aussi, leur marche, je pense que ça rentre aussi dans le cadre de cette même opération, parce qu'on dit opération qui chasse à Bopeto, c'est au fait de l'état d'esprit. Et c'est tout un processus. Changement des mentalités qui commence. Leur démarche aussi cadre dans le même sens. C'est-à-dire, ils veulent organiser une marche contre la corruption. Et la corruption, là, c'est aussi dans le cadre de Kinshasa Bopeto. Nous devons changer nos mentalités, nous devons laver notre façon de vivre. Et on a compris ensemble que nous poursuivons le même but et que les deux opérations, les deux événements ne pouvaient pas se rencontrer tous les jours. Pour cette raison, on a décalé le 48 heures. La marche aura bel et bien lieu le lundi et sous l'encadrement de notre police. On va les encadrer. Et eux aussi, ils encouragent notre opération. Ils vont aussi participer à cette opération parce qu'ils sont quinois comme nous tous. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Et tous les quinois doivent comprendre que ce sont les mêmes opérations. Mais on a décalé pour un besoin de la cause. Est-ce que vous pouvez rassurer les Kinois en Lingala par rapport à l'encadrement de la marche qui est reportée pour la ville de Kinshasa au lundi? Est-ce que Matata et Kozalaté et Kozala opération Kimia et Kozala marche pacifique comme on dit? Oui, bah, Kino Foua et Bakeza marche pacifique, tout en la procédure de la démocratisation. C'est la démocratie. Le gouverneur a accédé à la demande de Nabango. Le fait que nous sommes allés dans l'opération qui chasse à beaucoup de côté le même jour, on s'est dit toujours poursuivre par but manquant. Il faut tout décaler, l'opération il y a marche. Qui ne fait pas marche, c'est une marche pacifique, c'est une marche qui est habituée, c'est une marche qui est revendiquée, c'est une marche qui est revendiquée. Il y a une marche pour nous connaître qui est ça, qui est mécontent, pour nous connaître qui est mécontent, il y a corruption. Bisopé, il y a toujours ça là, qui chasse à Bopeto, ils ont pas tapé dans le cadre de Rosoko, la mentalité de la corruption, ils ont tapé dans la mentalité de la Congolais. À l'opération, ils ont tapé dans le cadre de la lave, la mentalité, la Rosoko, la ville de la. Tu viens ici, le chef de l'État, il va s'intéresser à la présence, pour que ces exemples retroussent ma manche, dans la Congolais, dans la Kinois, pour que la Kinois va comprendre que toujours changer mentalité dans le secteur de Nyonso. Deux opérations faites, ils ont pour l'andabut manque. Donc pourquoi tout le monde là? Pourquoi tout ça va quino la confusion? On peut comprendre, tout décaler les 48 heures, tout c'est les 21, mais tout co sécuriser marche voilà. Ils ont marche pacifique, ils ont journée fériété, ils ont mukuru ya Moussa, mais on sait que participer à la marche, à participer librement à la marche voilà, et tout va vous encadrer. Kinshasa Bopeto toujours l'ensemble samedi. Bango peut pas avoir Kinoa. C'est le même peuple qu'ils ont utilisé pour la Kinshasa Bopeto, même pour la marche. Voilà. Bandimi, Bango peut pas participer à la marche, à l'opération Wana, pour baser avec Kinoa, pour baser avec Congolais. Pour buter les Arabes morts, il y a aussi la mentalité. Donc, nous voulons les lancer dans le chef de l'État. Il faut des missions sur tous à la samedi. Et Bango va aux Arabes marche, marche est libre. Lundi, on n'a pas encadré la police. La mission, je pense que. Qui nous a fait rassurer que tout et nous l'avons mis à vos semis. Merci. 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 Le gouverneur et nous nous sommes mis d'accord sur le fait que la marche du CLC aura lieu le lundi 21 octobre et que nous laissons
la journée du 19 octobre pour la ville de Kinshasa dans le cadre de son opération Kinbopetu. Mais pour le CLC, ailleurs que la ville de Kinshasa, la marche reste le 19 octobre. Venez à 16h.